Hello, hello! Bienvenue l'autre fois sur la plateforme ça pour un nouveau épisode. L'épisode ça est disponible via sa compagnie Gaffin Empowerment SLL. Dans l'idée pour accompagner les gens qui veulent et les gens qui déjà apprennent très près. Ils sont spécialisés dans les affaires de gestion, création et capacitation pour le business. Ils offrent de bonnes solutions avec méthodes qui sont bonnes pour vous ou bien pour la compagnie. Là, pendant qu'ils respectent la politique et la philosophie qu'ils ont déjà établie. Bienvenue à l'autre fois pour un autre épisode. C'est un plaisir encore pour moi, ça m'a fait comme toujours, comme je dis comme siempre. Et fois ça, je voulais répondre avec une question que plusieurs m'ont posé pendant, ça fait un mois, bon, plus qu'un mois, oui, mais dans le mois qui s'est passé avec nos formations, moi, ça, je n'ai pas le monde qui posait une question ça. Sergeline, pour qui ça? Haïtien toujours vend produits plus cher que l'autre monde. Pour qui ça, dans un restaurant haïtien qui Santiago yo, ou capable chinois yo ba en pile viande et puis l'a acheté dans moi haïtien, li bon petit morceau viande. Est-ce qu'elle pas acheté même côté tout le monde? Ou est-ce que c'est lui qui acheté plus cher? Dans semaine ça spécial, mais dans semaine ça, nous t'ai gain chance parler avec trois monde qui te posaient une question, me t'ai dit bon, en petit temps, m'a répondu non parce que m'pas de vouloir bailler une grande réponse ou on réponse à chaque grain moi même te voulais bailler une réponse qui après était pour tout le monde, soit qui t'a pensé avec ça, qui pas poser question ou bien qui t'a gain inquiétude là, qui qu'on fâché en dedans yo, le ou aller dans restaurant haïtien yo, ou bien le aller dans business haïtien yo, ou bien le ou aller acheter dans moi haïtien, yo trouvé que haïtien li vann yo plus cher que l'autre monde. Raison li simple. Gen yon bagay nan business ki rele intermédiaire. Et gen lòt bagay ki rele canal. Canal la c'est route la. Intermédiaire la c'est moun ki fè on bagay passe de yon moun à l'autre moun. Même jan nou kontande ou di que Jésus-Christ c'est intermédiaire nous auprès de Dieu. C'est li ka intercéder pour nous, etc. Et, vous comprenez? Bah, je voulais faire épisode ça tourner un coup biblique. Ok. Il y a deux bagages qui entrent en ligne de compte. Intermédiaire et canal. Pour qui ça? M'utiliser deux mots ça. Deux mots ça, c'est eux-mêmes qui affectent tout processus d'achat et de vente là. Ok. Kounya, l'embre l'achete nan mon moun. Est-ce que c'est nan men yon intermédiaire mwen achete ou bien m'achete nan men met bagay la? Sa yore le de e moun kap van detay la, ki se detay an, ou ki sa yore le moun kap van an gwa, ki se moun kap van pa, e majorite bagay yo. Pour pi gros bagay yo pour pi plus moun ki kapab et couvri pi plus la. Ça c'est deux groupes intermédiaires yo. Kounya pour canal la ki se route la ki se chemin côté produit a et passer a. C'est li ki pral ou c'est li ki affecte tout bagay, tout prix on produit te ka gen. Comment m'ka explique ça pour comprendre? Imagine on moun soti Haïti li vin acheter en République Dominicaine. An pran li soti au Cap. Li vin acheter en République Dominicaine mais li rete wana men. Lèl vini, li pa al acheter nan magasin. Li al acheter soit Pueblo Nuevo ou bien nan Mercado Moderno. OK. Kounya lèl al acheter nan men moun ki revendeur la. Ça c'est un intermédiaire. On dit revendeur là, ils sont intermédiaires entre fabricant et magasin. Parce que kounya, li achete nan men magasin, revendeur là qui dans la rue, li achete nan men magasin. Imagine moun sa ki sorti au Cap ou à Namekan, j'aime te dire avant, li a acheté dans la rue.
Mais qu'on y a moun sa ki nan la rue a kap vann nan. Nan mais qui est-ce li t'acheter? Moun kap vann nan la rue a li t'acheter nan mon magasin. Imaginons que moun sa t'acheter Plaza Denis. Plaza Denis pas fabriqué rien. Pas Plaza Denis, Denis pas fabricant. Li vann en gros, li vann en détail. Mais qu'on y a produit ça yo Denis a vann nan yo vann nan Plaza Denis ou bien dans la Serena. Côté yo sorti, c'est yo même qui fabrique elle ou bien yo achète elle dans mon monde. Ou ka imagine toute route marchandise la fait? Et bien mais ça qui passé? Chaque route yon marchandise fait le rive nan men intermédiaire la augmente on bagay sou priga. Avant le rive nan men consommateur final la. Ki se ou même peut-être ki kon a plein, ki se moi même ki kon a plein. Fabricant, moun ki fè produit li van ni a un prix. Moun ki achete conteneur nan men la, li van ni a un lot prix. Koun ya, moun sa ki achete conteneur la, li distribue l, ba yon paket lot intermédiaire a yon pri. Te intermédiaire sa yon ki achè l a yon pri ya, yon même le yap revan ni, yap revan ni ak yon lot pri. Koun yon kapap kompren, koman nan men chak moun produit arrive, yon oblige augmente yon valeur sou li, yon oblige augmente yon pri sou li, oblige augmente benefis pa yon sou li. Koun yon, le produit a resi rive nan men, ou bien nan Plaza Denis ou bien nan la Serena, moun sa yo van ni an pri. Et puis, moun ki nan la rue ya, ki ap achete par douzaine de douzaine, yo achete la an lot pri. Kote ke, moun nan magasin yo te mette pri pa yo, moun ki nan la rue ya achete la an pri, fok li fè benefis li mette pri pal. Moun ki soti wana met ou kap ayisyen yo, ki vin achete nan men moun nan la rue ya, mette pri pal. On seul grain produit li subi variété ou bien un paquet prix. Et puis ou même qui vient acheter là ou al vendre des en détail là pa yon pa deux a ou obligé mettre un prix sur li. Mais problème là. Tout autant on produit passé dans plusieurs canaux ou bien li passé dans plusieurs routes pour ka prendre comme ça. Ou ka retire mon canal la pou ka bien comprendre tout autant produit fait plusieurs routes il passe dans plusieurs mains plusieurs intermédiaires plusieurs revendeurs li gen chance pour subir plusieurs changements de prix c'est pas un et augmenter sou li on va prendre exemple machin k ap fè manger dans la rue ya ou avec moun chinois yo qui a acheté gros poule là. Yo pa ka bay menm kantite ya. Genye moun kachete 15 vyan. Genye moun kachete 6 poul. Genye tou kachete 3, 4, 5 liv. Tout achete, an di, preske menm kote, nan menm peyi ya. Men le fe ke yo pa achete menm kantite, yo vini, menm sou kon pri liv poul la, yo vin pa ka bay menm kantite ya. M pa pral kache pou m di men ayisyen pa lou nan bay vyan non, ni men ayisyen pa lou nan fè pri non. Menm vlo konprann, pafwa se pa moun nan ki vann chèr, se kote prodwi a pase ya ki afekte tout prosesus la. Le salami an soti Saint-Domingue li rive Wanamet, li gon pri. Moun ki sorti cap ki vin acheter là ou bien moun ki sorti quoi des bouquets ka l'acheter le mal passe là, li acheter là en prix. Et le rive quoi des bouquets ou bien le ta rive au cap ensemble avec, li obligé vendre en l'autre prix. Ou même qu'on y a avec moi même qui c'est ti malheureuse cap vin acheter parti morceau nan men ou bien pas bâton nan men là. Nous monsieur, n'a pas acheter là avec en l'autre prix parce que nous c'est consommateur final là. C'est sous nous produit à prix la fin établi. M'espérer comprendre partie ça et m'espérer ou appliquer on dit canal avec intermédiaire dans plusieurs bagages avant même ou accuser yon machin haïtien ou yon machin dominicain kota ou kap vann. Posez tête aux questions ou mandel
ou investiguer est-ce que c'est dans main yon revendeur ou acheter ou bien c'est dans main yon qui pas grand pile redevant mais qui sont vendeur quand même. C'est un plaisir tant toujours pour te partager l'épisode sans ma vous. Si vous avez un commentaire, pas oublier. Écris dans le numéro 809-416-8884 sur WhatsApp, m'a répondre avec d'autres yo. Si vous avez plus de questions sur questions, pour qui ça produit ou subit tout changement ça, ou t'es capable pas comprendre ça que ça dit bien, prête pour m'expliquer. Songez bien, numéro c'est 809-416-8884. C'est un plaisir pour mes deux. Au revoir. À la prochaine pour un autre épisode. Plus belle et chargée avec contenu même déjà. Si vous avez aimé l'épisode, ça tant pour partager avec vos amis, vos familles. Et puis, pas oublier pour quitter un commentaire pour dire nous ce que vous pensez de l'épisode. Comme ça, tout, si vous avez un doute ou t'as besoin de nous aider dans la question business et développement personnel, écris-nous, pas hésiter. Non, moi, c'est Serge Pierre Edmond, licencié en administration, master en gestion des ressources humaines, spécialiste en coaching de développement et programmation neurolinguistique. À la prochaine pour un autre épisode.